Amen. Can we give God the glory tonight? Please give God the glory tonight. Est-ce que tu peux donner la gloire au Seigneur ce soir? Alléluia. Amen. I'm excited to be here. Je suis excitée d'être ici. Can we just stand and can we pray for a minute? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier pendant une minute? I want you to speak to God. J'aimerais que tu parles à Dieu. I want you to speak to Him. J'aimerais que tu lui parles. You know, we are just instruments. Vous savez, nous sommes juste des instruments. But the Lord is the one who sees your heart. Mais le Seigneur est celui-là qui voit ton cœur. Who knows your needs. Il connaît tes besoins. He knows even the things that you don't know that you need. Et il sait même les choses dont tu n'as pas idée que tu as besoin. So I want you to speak to God donc tonight. J'aimerais que tu parles à Dieu ce soir. And ask the Lord that you want to learn. Demande au Seigneur, dis-lui que tu veux apprendre. That you want to hear from Him. Que tu veux entendre de lui. That you want to be transformed. Que tu veux être transformé. Come on, speak to God again tonight. Parle à ton Seigneur ce soir. Father, Lord, I give you the glory, Seigneur, Father. Je te donne la gloire. Lord, here we are, Father. Seigneur, we want to be transformed, soir, Father. Transformé. Lord, we want to be change, Seigneur, oh Father. Lord, we want to be affected, Seigneur, by your knowledge, oh Father. We want to be affected nous by your light. Father God, we need you, Father. Père, nous avons besoin de toi. Lord, please speak to us s'il tonight. Te plaît, Seigneur, parle-nous ce soir. Transform us tonight. Ce soir. We are nothing without nous you. Rien sans toi. Help us, oh Father. Lebrosa katarabayandere bosha. Rai de bros conte de bria la basson doroboya. Lai de brosha la da cande de boschi adabre. Father God, we need your presence in this place, Father. Lord, I pray that your presence saturate this place. Father God, we need you, oh Lord, tonight. Father God, we pray, oh Father God, that Lord, you may touch us, oh Lord. Deliver us from us, oh God, in the name of Jesus. And we rebuke everything that is not of you out of this place. Yes, Father. Lord, I love your praises. Lord, I love your praises. Lord, use me tonight. Lord, I don't know nothing. But Father God, what I speak is what you have taught me. What you have revealed to me. And I pray, Father God, that you may use me tonight. According to your will, Father. Selon ta volonté, Père. Holy Spirit, move in this place. Saint-Esprit, meut-toi en ce lieu. Speak to us. Parle-nous. We need you. Nous avons besoin de toi. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Please, can you make noise for Jesus? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Yes, Alléluia. Make noise for Jesus tonight. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Amen. Amen. Are you happy to be here? Est-ce que tu es content d'être ici? I would like to bless the Lord, bénir le Seigneur, for our spiritual Father. Notre Père, may the Lord continue to que use le him. Continue de l'utiliser. We are the fruit of his work. Nous sommes le fruit de son travail. Amen. Amen. I would like to honor Pastor Rachel. Honorer le Pastor Rachel. I would like to honor her anointing. Honorer son onction. I love her very much. Je l'aime beaucoup. I would like to honor Pastor Marshall. Honorer le Pastor Marshall également. And Maman Adèle. Maman Adèle. I love you guys so much. Je vous aime tellement. And I appreciate you guys. Et je vous apprécie également. And I would like to honor. Et j'aimerais également honorer. Minister Selman. Le ministre Selman. And Sister Maryse. La sœur Maryse. You know, continue to do what the Lord has placed continue in your heart. Continuez à faire ce que le Seigneur a placé dans votre cœur. Continue. Continuez. May the Lord continue to strengthen que you guys. Que le Seigneur continue à vous fortifier. And use you. Et vous utiliser. Amen. Amen. And I would like to honor. Et j'aimerais honorer. My wife. Mon épouse.
I always say this. Je dis toujours ceci. I used to serve the Lord before I met her. Je servais déjà l'Éternel avant de la rencontrer. But through our marriage. Mais au travers de notre mariage. From the day I met her. Depuis le premier jour où je l'ai rencontrée. She helped me to serve the Lord elle better. Elle m'a aidé à mieux servir l'Éternel. Amen. And that's the reason why we always honor her. C'est la raison pour laquelle je l'honore toujours. Amen. A lot of time people see the man. Plusieurs fois les gens voient le monsieur. But there is someone behind that does a great work. Mais il y a quelqu'un derrière ce monsieur là qui fait le travail. Which a lot of time. Qui pendant plusieurs fois. That the crowd cannot see. Amen. Que la foule ne voit pas. But she does the work. Mais elle fait le boulot. And I honor her anointing son onction, and the grace et la grâce, and the favor that the Lord has placed over her que life. Le Seigneur a placé sur sa vie. And I love you very much. Et je t'aime beaucoup. Glory Amen. To Jesus. Gloire Amen. À Jésus. So with no further ado, donc sans plus tarder, you know, since I've been pastor, depuis que je suis pasteur, this is my first time to attend. C'est ma première fois de participer. As a speaker in a marriage conference. En tant que conférencier à un mariage, à une conférence de mariage. To be a speaker. Pour être un conférencier. And this time around, I wanted to sit. Et cette fois, je voulais m'asseoir quand même. And just to listen again. Et écouter. But here I am. Voici encore là. And I believe the Lord will speak to you. Et guys. Je crois que le Seigneur va vous parler encore. Because the Lord spoke to me. Parce que le Seigneur m'a parlé. And I enjoyed it. Et je me suis réjoui. And I hope it will be a blessing et for you. Et j'espère que ça sera une bénédiction pour vous également. Father Lord, I pray let your word, Seigneur, oh Father God, que ta tonight. Parole, Père, ce soir, help us to do better. Nous aide à mieux nous comporter. To be better. Nous aide à mieux. And to prepare better for those who are not married yet. Et de mieux nous préparer pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Receive all the glory. Seigneur, reçois toute la gloire. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. I will do my best to be short. Je vais faire mon mieux pour être court. Because I'm just John the Baptist tonight. Parce que je suis juste Jean-Baptiste ce soir. Because there's a Jesus who's coming after me. Parce qu'il y a Jésus qui vient après moi. Jésus qui vient après moi. Amen. Amen. Like she always say, elle est mon mogo. Amen. Amen. So if we take our Bible in the book of Genesis. Donc si nous prenons nos Bibles dans le livre de la Genèse. Chapter 1. Chapitre 1. If you have listened to my sermon. I like to go back to the origin of things. J'aime aller à l'origine des choses. To understand better. Pour comprendre mieux. And to really capture the thought of God. Et pour vraiment capturer la pensée de Dieu. Because I believe when we do that. Parce que je crois que quand on fait cela. It will help us. Ça nous aide. To do things better. À faire mieux les choses. Amen. Amen. So in the book of Genesis chapter 1. Dans le livre de la Genèse le chapitre 1. We are going to read from verse 27 to verse 28. On va commencer par le verset 27 jusqu'au verset 28. Please with all due respect. S'il vous plaît avec tout le respect. I will invite you to stand to honor the word of God. Je vous invite à vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Amen. Amen. So the Bible says in the book of Genesis chapter 1 from verse 27 to verse 28. The Bible says this, so God created mankind in his own image. In the image of God, he created them, male and female. He created them. 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. We are going to jump to chapter 2 and we are going to read verse 7. Et nous allons lire le verset 7. And the Bible says, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life,
and the man became a living being. Now, 8, now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. Amen? And then we are going to jump to verse 15. Then the Lord took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. 16, and the Lord commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. 18, the Lord God said, it's not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him. Amen. Amen. You may be seated. Thank you very much. Merci beaucoup. I was not expecting to be excited. Je m'attendais pas à être aussi excité. To speak. But here I am, Lord. I thank you for the anointing. Parler ici, me voici, tout excité. Seigneur, merci pour l'onction. So I want really to speak on God's purpose for Donc, marriage. Je veux vraiment parler du but de Dieu sur le mariage. And in order to understand God's purpose Et for marriage, comprendre l'objectif de Dieu pour le mariage, it's very important for us to go back to the origin. C'est très important pour nous d'aller à l'origine. Amen. Amen. So in our generation, we can notice an immense percentage of divorce Donc, among Dans notre génération, on peut remarquer un immense pourcentage de divorces. Among Christians and non-Christians. Dans les croyants et les non-croyants. So I believe understanding God's purpose for marriage. Donc je crois que comprendre vraiment l'objectif du mariage. We help us valorize it. Va nous aider à valoriser le mariage. Better. Mieux. And approach it more diligently. Et à mieux l'approcher. Because the lack of understanding of God's purpose regarding marriage, parce que le manque de compréhension de l'objectif de Dieu par rapport au mariage, make us so that we take marriage lightly, nous fait prendre le mariage à la légère. That's why we see people get married and divorce quickly. Nous voyons les gens se marier rapidement et après ils divorcent. Even among Christians, même parmi les chrétiens. So marriage is not taken so seriously anymore. Le mariage n'est plus aussi sérieux. Marriage is not taken so diligently anymore. Le mariage, on ne le prend plus trop avec diligence. Why? Because we are not able to catch and to tap into God's purpose Parce regarding que nous marriage. Ne sommes pas à mesure de saisir l'objectif de Dieu par rapport au mariage. In order for you to value it, pour valoriser cela, it have to make sense to you. Ça doit avoir un sens pour toi. In order for you to protect it, pour protéger cela, you have to see value into tu it. Tu dois voir la valeur là-dedans. But who can allow us to see the value of marriage if it's not God himself? Mais qui peut nous aider à voir la valeur du mariage si ce n'est pas Dieu lui-même? So, marriage is introduced to us. Donc le mariage nous est présenté in Genesis chapter 2. Dans Genèse chapitre 2. But it's very important Mais for c'est us très important pour nous to catch the prerequisites that is established in Genesis chapter 1. Les prérequis de Genèse 1. Because a lot of time we jump to chapter 2. Parce que plus souvent nous allons au chapitre 2 rapidement. Because that's where marriage is established. Parce que c'est là que le mariage est établi. But there are prerequisites regarding marriage in chapter 1 that is very important. Il y a des prérequis par rapport au mariage dans le chapitre 1 qui sont très importants. So I want you to see the scripture through the lenses of marriage. Donc j'aimerais que vous voyez ces écritures là par rapport à la vision du mariage. That will allow us to have a better overview regarding marriage. Qui va nous permettre d'avoir une vision plus claire du mariage. So here we go. So what we have read in chapter 1. Donc ce que nous avons lu dans le chapitre 1. So we see that God created mankind. Nous voyons que Dieu créa l'homme. In his own image. À sa propre image. So the Bible says he created them. La Bible dit qu'il les créa. So he created male and female. Donc il a créé l'homme et la femme. And we must understand that he is the spiritual realm. Et nous devons comprendre qu'il est le règne spirituel. It's all about the spiritual realm. Il s'agit du règne spirituel. It's not even about the physical. On parle même pas encore du physique. But it's about the spiritual realm. Il s'agit du règne spirituel. So here the Lord created them. Donc ici le Seigneur les a créés. And the Bible continues verse 28. Continue au verset 28. He said, bless them. Il est béni. He said, be fruitful, increase the number, and everything else.
Soyez féconds, remplissez la terre. So, the Lord created them in the spiritual realm. Donc le Seigneur les a créés dans le monde spirituel. We must understand that marriage is spiritual first. Nous devons maintenant comprendre que le mariage est d'abord spirituel. A lot of time we decide to do things according to the flesh. Plus souvent nous faisons les choses par la chair. According to the physical aspect. Nous faisons les choses selon l'aspect physique. But the prerequisites of marriage has been established in the spiritual realm. Les requis du mariage ont été établis dans le règne spirituel. So marriage is spiritual. Donc le mariage est spirituel. It's spiritual before your feelings. Le mariage est spirituel avant même tes sentiments. Marriage is spiritual before beauty. Le mariage est spirituel avant la beauté. I did not say exclude beauty. Je n'ai pas dit d'exclure la beauté. I did not say exclude the physical part of it. Je n'ai pas dit d'exclure la partie physique. Because you can be all spiritual. Parce que tu peux être aussi spirituel. But if I'm not attracted to you. Mais si je ne t'attire pas. Oh, no, we cannot do this thing. On ne peut pas faire cette chose-là. So, but it's first spiritual. Mais d'abord, c'est spirituel. But you must understand. Mais tu dois comprendre. The Bible says, do not conform to the present time. La Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. In the present time. Dans le temps présent. The world wants to make us believe. Le monde veut nous faire croire. That it's all about the physical. Il s'agit du physique. It's all about the external aspect. Il s'agit seulement de l'aspect. But marriage is spiritual before anything else. Le mariage est spirituel avant toute autre chose. And we must understand that. Et nous devons comprendre cela. So here we see that the Lord created them. Nous voyons que le Seigneur les a créés. As the Lord created them, et pendant qu'il les a créés, he did not create Adam, il n'a pas créé Adam alone. He did not create Eve alone. Il n'a pas créé Eve seule. But he created them. Mais il les a créés. So the unity starts in the spiritual realm first. Commence dans le règne spirituel d'abord. It does not start in the physical aspect. Ça ne commence pas dans l'aspect physique. But it all starts in the spiritual. Mais ça commence because I can be attracted to you. Je peux t'attirer. You can all be beautiful. Tu peux être toute belle. You can be handsome. Tu peux être vraiment beau. And I said I love you. Et je dis, je t'aime. But if in the spiritual realm, si dans le règne spirituel, there is no unity, il y a pas d'unité, we are not going to last long. On ne va pas durer ensemble. So in the spiritual realm, donc dans le règne spirituel, we must have unity. On doit être un. We must have unity in spiritual. And then we see maintenant that the Lord, que le Seigneur, God blessed them. Les bénit. Say with me, He blessed them. Il les bénit. So when He blessed them, donc quand il les bénit, we must understand nous devons comprendre that when the Lord blessed them, que quand le Seigneur les bénit, the two spiritual beings les deux êtres spirituels, were infused with ability. Ça va infuser leur capacité. The Lord infused them with abilities. Le Seigneur les infuse avec une capacité. And empowered them with capacities. Et leur donne le pouvoir. Empowered them with capacity. Et leur donne le pouvoir d'être capable. So the Lord blessed them. Donc le Seigneur les bénit. And He gave them the ability and capacities. Et il leur donne d'être capable. Il leur donne d'être puissant. You understand? So when the Lord did it, donc quand le Seigneur le fait, He did not just bless Adam. Il n'a pas seulement béni Adam. And left Eve alone. Il a laissé Eve à côté. No, He blessed them both. Donc, il les a bénis tous les deux. Meaning what? Ce qui veut dire quoi? Meaning that both of them. Ce qui veut dire que tous les deux. The ability that the Lord or the direction, the vision that they received. La vision qu'ils ont reçue tous les deux. They all received it to do it together. Ils ont reçu à faire cette vision là ensemble. It was not to do it alone. Ce n'est pas pour la conduite seule. He wants to do it together. C'était de conduire la vision tous les deux. Meaning what? Ce qui veut dire quoi? You must understand. Tu dois comprendre that in your wife. Que dans ta femme, there are ability that you need dont tu as besoin in order to get where the Lord wants you to get. Arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. You must understand tu dois comprendre that in your husband, que dans ton mari, that there are abilities that the Lord has placed. Que le Seigneur lui a mis. That will allow you qui va te permettre to get where the Lord wants you to get. D'arriver là où le Seigneur veut que tu arrives. It's very important. C'est très important.
Because the unity starts in the spiritual realm. Parce que l'unité commence dans le règne spirituel. And they are connected through the vision that the Lord gives them. Par la vision que le Seigneur leur a donnée. They are not connected based on the love. Ils ne sont pas connectés par rapport à l'amour. They are connected based on the vision. Ils sont connectés par rapport à la vision. Because we can love each other. On peut s'aimer. But if we are not connected to the vision, ils ne sont pas connectés à la vision. Love is not enough. L'amour ne suffira pas. You know, the lovey-dovey is not enough. L'amour n'est pas assez. But we have to be connected through vision. Connectés au travers de la vision. You know what I understood? Vous savez ce que j'ai compris? I understood that the connection through vision, the connection through vision, par rapport à la vision, it is more powerful est plus puissante than the connection of love. Que la connexion de l'amour. Because the feeling that we say love, parce que le sentiment qu'on appelle l'amour, when she pisses you off, quand elle vraiment t'énerve, or when he pisses you off, quand il t'irrite, you will forget, tu vas oublier all the gifts, tous les dons, you will forget, tu vas oublier all the road trip, tous les voyages, you will forget, tu vas oublier all the sacrifice, tous les sacrifices, you will forget all that, tu vas oublier tout ça. But because you guys are connected through the vision, connecté par rapport à la vision that the Lord gave you, le Seigneur vous a donné, you understand that you cannot be the better person that the Lord has called you without the help of this person. Listen, your pastor can be eloquent. Son pasteur peut être éloquent. Your prophet can see everything. But he cannot replace your spouse. Il ne peut pas remplacer ton épouse. Because the ability, la capacité, the power, le pouvoir that the Lord has placed in your spouse, a mis en ton époux, ton épouse, go beyond the anointing of a pasteur, de l'onction du pasteur, go beyond the anointing of a prophet, de l'onction du prophète. Because if your wife prays for you, parce que si ta femme prie pour toi, if your husband prays for you, ton mari prie pour toi, you will go far. Tu arriveras loin. Amen. Amen. So the connection donc, through vision, la connexion par rapport à la vision, is very important. Est très important. I'm not saying that love is not important. Je ne suis pas en train de dire que l'amour n'est pas important. But I'm saying, mais je dis, do not dismiss the connection of vision. N'annule pas la connexion de la vision. You must check. Tu dois vérifier. Can we work together? Can we see things the same way? Est-ce qu'on peut voir les choses de la même manière? Listen. Écoute. Your road might be different from the one of your spouse. The road. Oh, le chemin peut être différent de celui de ton époux. You know, the way you proceed to get there la might be different. La manière dont tu procèdes pour arriver là-bas, ça peut être différent. But both of us must see the same objective. Mais tous les deux, nous devons avoir le même objectif. Because when we see the same objective, parce que quand nous voyons le même objectif, we always find a way to compromise. On va toujours trouver la compromission. In order to get there. Pour y arriver. Amen. So it's very important, donc c'est très important, to catch this, de saisir cela. So when we go to Genesis chapter 2, donc quand nous allons dans Genèse chapitre 2, you must understand, vous devez comprendre, that this thing called marriage, cette chose qu'on appelle le mariage, it is an institution coming from God. Une institution qui vient de Dieu. It's not established by men. Elle n'est pas établie par un homme. So men doesn't have the power to change this thing. Donc, les hommes n'ont pas le pouvoir de changer cela. It's not men that describe marriage. It's God that describes marriage. Qui a décrit le mariage. C'est Dieu lui-même qui a décrit so the le Lord described the marriage between a man and a woman. Donc le, the Lord described the marriage. Donc le Seigneur décrit le mariage entre l'homme et la femme. According to men and women. Selon l'homme et la femme. Not between men and men. Pas selon un homme et un homme. Pas but, entre un homme et un homme. But not between a woman and a woman. Pas entre une femme et une autre femme. Not between a man and an animal. Pas entre un homme et un animal. Not between a three person. Pas entre trois personnes. Between two
people. Je parle de deux personnes. Alléluia. No, the Lord does not describe marriage with two and one such chick somewhere. Come on, let's Dieu n'a pas décrit le mariage avec un couple et une autre personne de l'autre côté là-bas. La chisa de l'autre côté ou le chiso. There you go. Amen. Pas avec la petite à quartier, non. Avec la petite à côté, non. The Lord describes marriage. The Lord describes marriage. Décrit le mariage. Between a man and a woman. Entre un homme et une femme. So it's very important for us to understand those donc, things. C'est très important que nous comprenions ces choses. Because society we lead us to do parce things that are outside nous conduit à faire des choses en dehors of what God has established. De ce que le Seigneur a établi. Amen. So when we jump to chapter 2, donc quand nous arrivons dans le chapitre 2, we see this thing. Nous voyons cette chose. That the Bible says this. La Bible dit ceci. In verse 7, the Lord say the Bible say that then the Lord formed a man. La Bible dit que le Seigneur forma l'homme. And I want to say this. Je veux dire ceci. So here we come now in the physical realm. Maintenant nous rentrons maintenant dans le règne physique. So the Lord created man. Donc le Seigneur créa l'homme. He did not form. A woman first, he formed the man. Il n'a pas formé la femme d'abord, il a formé l'homme. He did not form them together, he formed the man before. Il n'a pas formé ensemble, il a formé l'homme d'abord. So, the Lord gave the man donne à l'homme the seat of the driver. La place du chauffeur. He gave man the leader. Donc il donne à l'homme d'être le leader. Does it mean that woman, the woman is she's less than man? Est-ce que ça veut dire que la femme est moins que l'homme? Non. But that's just the Lord. Mais c'est juste que le Seigneur decided to be that way. De le faire comme ça. I know there is this thing that we are all equal. No. Chacun sa place. Où les gens disent que nous sommes égaux. Non. Chacun a sa place. We have our place. Nous avons nos places. I am the driver. Je suis le chauffeur. And you are my assistant. Et tu es l'assistante. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Does it mean that you are less? Est-ce no. Est-ce que ça veut dire que tu es moins que moi? You non. See, society wants to make us believe. La société veut nous faire comprendre. Because I am the driver, I am better than you. No. Moi, je suis le chauffeur, je suis mieux que toi. No. Remember, we are all being created in the spiritual realm at the same time. Souviens-toi que nous avons tous été créés dans le règne spirituel au même moment. But the Lord just decided to form me before you. Mais le Seigneur a juste décidé de me former avant toi. And decided to give me the place as the driver. Et a décidé de me donner la place du chauffeur. So I am driving this vision. Donc je conduis cette affaire là. It does not make me better than my wife. No. Mieux que ma femme, non. Listen. Écoute. It's not easy to be the driver. Ce n'est pas facile d'être le chauffeur, non. Listen. Écoute. It comes with headache. Ça vient avec des migraines. You take all the time. Tu penses à tout moment. How are you going to do this? Comment tu vas faire ceci? I don't have time to think about the small details. Je n'ai pas le temps de penser aux petits détails. I am focusing on the big picture. Je suis concentré sur la grande image. Sometimes my wife comes with a bunch of details. Elle vient me dire plein de détails. I'm like, I don't have time. Non, tout ça, c'est I have avançant. To think how to je make money for 10 years from now. Comment faire l'argent pour 10 ans. I am thinking how to leave an heritage for my children. Je pense à comment laisser l'héritage à mes enfants. You know, I'm thinking how I'm going to make it. Je pense comment réussir. Not for myself. Pas pour moi. But for you, my family. Mais pour ma famille. I am focusing on a bigger vision. Je suis concentré sur une vision meilleure. So, the Lord just decided to give me the seat of the driver. Le Seigneur a juste décidé de me donner la place du chauffeur. So here we see that. Donc ici nous voyons que the Lord formed man first. Dieu forme l'homme d'abord. And then from that point. Donc à partir de ce point là. He planted him in a garden. Il a planté dans le jardin. So what do we see here? Donc qu'est-ce que nous voyons ici? When the Lord planted him in a garden. Quand Dieu plante l'homme dans le jardin. And then the Lord gave him a command. Et Dieu lui donne un ordre. Okay?
And then at that point, et à ce moment-là, let us read this, it will make sense. Then, in verse 8, now the Lord had planted in the garden, and in verse 15, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and to take care of it, okay? And then in verse 16, he says, the Lord God commanded the man. Dieu, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. So after he commanded the man, now we see the Lord come now. Maintenant, nous voyons ici maintenant. In verse 18. Au verset 18. He said, it's not good for man to be alone. Dieu lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. No, I want you to check this. Maintenant, je veux que tu vérifies ceci. When the Lord, right? When the Lord. Maintenant, ce que le Seigneur. When the Lord formed the man. Quand le Seigneur avait formé l'homme. The Lord did not know that it's not good for the man to be alone. Est-ce qu'il n'avait pas su que c'était pas bon pour que l'homme reste seul? It's after the Lord put him in a garden. C'est après l'avoir planté dans le jardin. And after the Lord give him the command. Après qu'il lui ait donné l'ordre. To not eat from the tree of the knowledge. De ne pas manger de l'arbre de fruit de l'arbre de la connaissance. And evil or good and evil. Et la connaissance du bien et du mal. And then he says it's not good for the man to be alone. C'est après cela qu'il lui dit que il n'est pas bon. Listen. It will be hard for a man. Écoute, ça sera difficile pour un homme. To see the purpose of marriage. De voir l'objectif du mariage. Until he is found himself. Jusqu'à ce qu'il ne se retrouve lui-même. In a place where the Lord wants him to be. Dans un endroit où le Seigneur veut qu'il soit. Listen, you can be married. Tu peux être marié. But until you find yourself, mais jusqu'à ce que tu ne te retrouves, where the Lord wants you to là be, où le Seigneur veut que tu sois, you will understand the value of the person that the Lord has placed by your side. Tu vas voir l'importance de la personne que le Seigneur a mis à côté de toi. Listen, you can be married. Tu peux être marié. And you don't see yet the importance of that of your spouse. Et tu ne vois pas encore l'importance de ton épouse. Until a time come. Jusqu'à ce qu'un temps arrive. Until you find yourself in the garden. Où tu te trouves dans le jardin. Working. Travaillant. Then you will understand the importance of your spouse. L'importance de ton épouse. Listen, because écoute, us men, we have a big ego. Les hommes, nous avons un ego très fort. It's hard for us to. C'est difficile pour nous. To take in criticism. D'accepter les critiques. It's hard for us to listen. C'est difficile pour nous d'écouter. Because we are driving this thing. Parce que nous conduisons cette chose. So we think it makes us donc all that. Nous pensons que ça nous rend tout fort. You know, we think that we are sufficient. Nous pensons que nous sommes autosuffisants. Because we are leading. Parce que nous conduisons. Have you heard about the saying that say wait until you have money you understand? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce dicton qui dit attends jusqu'à ce que tu aies de l'argent et tu until you have success. Jusqu'à ce que tu atteignes le succès. You will know who you are. Et tu verras qui tu es. It is the same thing. C'est la même chose. When you get to the place of leader. Quand tu arrives à un endroit de leader, état de leader. Sometimes you get to the point where you believe that you know everything. Souvent tu arrives à un certain niveau, tu penses que tu sais tout. But until you find yourself in a garden. Bah, jusqu'à ce que tu ne te retrouves dans le jardin. Working. Travaillant. That you understand. Là, tu comprends. The value and the worth of your spouse. La valeur de ton épouse. Because you can be at some point you are suffering. Et tu peux être en train de souffrir à un point. And then you understand now the reason why pourquoi the Lord gave you your spouse. Le Seigneur t'a donné ton épouse. Listen, you can even be like 5 years in marriage. Tu peux faire même 5 ans dans le mariage. You have not discovered the value of your et spouse yet. Tu n'as pas encore découvert la valeur de you can even be 10 years in marriage. Ça peut passer 10 ans you have not discovered the value and the worth of your spouse yet. La valeur until de you find your, until God take you and place you in a garden. Jusqu'à ce que le Seigneur ne te place dans ce jardin-là. And you work. Et tu travailles. Do you understand now? Là, tu comprends maintenant. The value. La valeur. Of your spouse. De ton épouse. So here we see that the Lord placed him in a garden. Le place dans le jardin. And then at that point. Et à ce moment-là. After the Lord gave him the order. Après lui avoir donné l'ordre. At that point now.
The Lord says not good for man to be alone. Dit, non, il n'est pas bon que l'homme. It's after he received the order. C'est après avoir reçu l'ordre. That the Lord was able to observe. Le Seigneur était à mesure de l'observer. Listen, and écoute. Now the Lord introduced woman. Et maintenant woman. Le Seigneur présente la femme. Why? Pourquoi? I don't know about us. Je ne sais pas pour nous. Hein. As husband. En tant que mari. But I know many can testify. Mais je sais que plusieurs peuvent témoigner. There is no one. Il n'y a personne. In the entire world. Dans le monde entier. That check on you like your wife. Qui vraiment t'appelle pour savoir comment tu vas. No. When I say to check. That she makes sure that you do the things correctly. Que tu fais les choses que tu dois faire correctement. She will always ask you. Elle va te demander. My wife always say. Ma femme dit toujours. Before I leave the house. Avant de quitter la maison. Baby, let me shake you out first. Bébé, j'attends que je vérifie un peu. Because I want to make sure. Parce que je veux me rassurer. That you get out of this place correctly. Que tu sortes de ce lieu là correctement. Make sure you comb your hair. Je veux me rassurer que tu make sure you look properly. Que tu es présentable. When I do certain things, quand je fais certaines choses, she will always say, baby, don't do this. Elle me dit, ne fais pas ceci. Because a wife, parce qu'une femme, when the Lord has placed a wife, quand le Seigneur a placé une femme by your side, à tes côtés, she comes as a reinforcer. Elle vient comme quelqu'un qui renforce. Reinforce what? Elle renforce c'est quoi? Reinforce the order of God in your life. Renforcer l'ordre de que Dieu t'a donné dans ta vie. So if you do, if your wife donc, si ta femme does not understand the vision, ne comprend pas la vision, she won't be able to be the reinforcer. Elle ne sera pas à mesure d'être cette personne-là qui renforce. That's why you will see. C'est cela que tu vas voir. That someone in his first marriage failed. Que quelqu'un échoue dans son premier mariage. And then he get married. Maintenant il se remarie. And he becomes someone that he has never et been. Et il devient cette personne-là qui n'avait jamais été. Because there is someone that understood the vision parce of his life. Il y a quelqu'un qui a compris la vision de sa vie. And then she came as a reinforcer. Et elle est venue comme un quelqu'un qui renforce. Reinforce what? The order of God. Renforcer quoi? Renforcer l'ordre qui lui a été donné par Dieu. So the suitable help. Donc l'aide qui est that suits you the best. Qui va te marier. Qui va bien t'aider, t'identifier. Donc l'aide qui va t'identifier à toi. That in the position that the Lord has placed you. Dans la position que le Seigneur t'a placé. So it is very important. Donc c'est très important. Not to take that position lightly. De ne pas prendre cette position là à la légère. Because you are the helper. Parce que tu es l'aide. Not a weak person. Pas une personne faible. But the Lord has brought you. Mais le Seigneur t'a envoyé. To reinforce. Pour renforcer. The order. L'ordre. Of God. De Dieu. In the life of your spouse. Dans la vie de ton époux. I say I came as je dis que j'étais venu comme John the Baptist. Jean le Baptiste. Jean Baptiste. Amen. But listen. Mais écoute. I will close to say this. Je vais finir en disant ceci. You must understand. Tu dois comprendre that the position que la position that the Lord has given que le Seigneur t'a donné as the helper. En tant que aide, if you do not understand the vision, si tu ne comprends pas cette vision, you won't be able to do what the Lord has called you. Tu ne seras pas en mesure de faire ce que le Seigneur t'a appelé à faire. And I will leave you with this. Et je vais vous laisser avec ceci. It is very important. C'est très important for you, pour toi, to understand, de comprendre, that marriage is spiritual before anything que else. Le mariage est spirituel avant toute autre chose. Because the type of demon that you deal with parce in que marriage, le type de démon qui vraiment que tu gères dans le mariage, you think that you pray, tu penses que tu pries, until you get married, jusqu'à ce que tu te maries, you will understand that you were joking, et tu vas comprendre que tu t'amusais, because there's two different type of army, parce qu'il y a deux différents types d'armées, the one from your side. L'armée de ton côté and the one from your spouse et l'armée du côté de ton époux that attack you both vous attaquent tous les deux ensemble at the same time au même moment and on top of that et au-dessus de là encore they are collaborating ils sont en collaboration so
It's not a joke. Donc ce n'est pas du jeu, la plaisanterie. It's not about the age. Il ne s'agit pas de l'âge. But you must understand. Mais tu dois comprendre that marriage que le mariage has been established a été établi for a vision. Pour une vision. Amen. Amen. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.